Le Super U de Soile est situé au pied de la Montagne Noire. Dans ce supermarché, personne n'a oublié ce qui s'est passé il y a un an, juste de l'autre côté de la montagne. L'attaque terroriste de Trèbes. Radwan Lagdim y a tué 3 personnes avant d'être abattu par le GIGN. Quelques jours après le drame, les patrons de l'établissement Tarné et quelques employés se rendent sur place pour aider leurs collègues. Dans le magasin, tout est resté en l'état. Les impacts de balles, les équipes médicales qui ont tout laissé sur place, donc il y a du nettoyage à faire et c'est vrai que ça fait tout de suite, ça donne l'image de ce qui s'est passé, du fait qu'il y ait eu des morts, des blessés, voilà, c'est assez morbide. Ah, c'était glauque, effectivement, on était en pleine période des chocolats de Pâques, il y avait du sang parmi tous ces chocolats qui étaient en désordre. Par terre, cassé, c'était en fait des images un peu fortes là qui reviennent, mais c'était assez lourd. Rapidement, la solidarité s'organise. Patrick Munoz fait partie de ceux qui ont proposé spontanément leur soutien. Il fallait être présent sur les lieux et apporter toute l'aide qu'on pouvait apporter au magasin. C'est mon magasin de cœur. J'ai débuté là professionnellement, je dois beaucoup de choses à ce magasin et aux personnes qui y travaillent. L'aide apportée est autant matérielle que psychologique. On a essayé de s'organiser, on a essayé de faire de notre mieux. Le magasin surtout l'objectif c'était de le réouvrir au plus vite, pas pour aller faire du chiffre, non. C'est surtout pour passer, essayer d'avancer, de continuer, d'aller au-delà et que ces terroristes ne puissent pas prendre le dessus, de ne pas avoir peur non plus, même si la peur quand même est malgré tout présente. Les patrons de l'enseigne tarnaise ont continué à prendre régulièrement des nouvelles de leurs collègues zaudois, marqués à vie par ce drame.